ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Nous continuons cette série intitulée Les étapes de l'au-delà. Lors du cours précédent, on s'était arrêté aux causes aux actes qui provoquent le châtiment de la tombe. On avait cité le colportage, ainsi que le fait de ne pas se protéger des éclaboussures de son urine. On a cité notamment le hadith du prophète, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, dans lequel le prophète est passé à proximité de deux tombes, puis a informé ses compagnons anhum, que les habitants de ces deux tombes sont en train d'être châtiés, l'un parce qu'il ne se protégeait pas de son urine et l'autre parce qu'il s'adonnait au colportage. Il y a d'autres actes et d'autres interdits qui provoquent le châtiment de la tombe à savoir le fait de délaisser le Coran et le fait de dormir jusqu'à ce qu'une prière sorte de son heure sans l'accomplir. La preuve de cela est le hadith de Samoura ibn Jundub, un long hadith dans lequel le prophète a vu en rêve des gens se faire châtier de différentes sortes de châtiments. Il était accompagné, wa de deux anges et ces deux anges par la suite lui ont informé de la raison pour laquelle chaque personne qu'il a vu se faire châtier, wa la raison pour laquelle ils subissent ce châtiment. C'est un long hadith rapporté notamment par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, le temps ne nous, permettra pas, ne nous permettra pas de le citer entièrement, mais nous allons citer quelques interdits et quelques péchés cités dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et ces personnes que le prophète alayhi salatu wassalam a vu se faire châtier sont des personnes qui subissaient le châtiment de la tombe والعياذ بالله كالله سبحانه وتعالى نوزن بخيزارفو توس. الحديث دو رَبِّنُ بن جندب رضي الله عنه: ليزونج انجيب عليه الصلاه والسلام اما الذي يثلغ راسه بالحجر فانه ياخذ القران فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبه. Quant à l'homme que tu as vu, dont la tête se faisait fracasser par des pierres, c'est une personne qui prenait le Coran mais qui le délaissait. Et les savants ont dit ici délaisser, c'est-à-dire délaisser sa lecture jusqu'à l'oublier et délaisser également sa mise en pratique et sa mise en application. Et il dormait. Jusqu'à ce que la prière obligatoire sorte de son heure. Les savants ont dit qu'il s'agit ici de la prière de Al-Fajr, car c'est celle qui subit le plus de manquements suite au sommeil et au fait qu'un certain nombre de personnes ne l'accomplissent pas à cause de leur sommeil. D'autres savants ont dit que cela inclut également la prière de laïcha parmi les péchés qui provoquent le châtiment de la tombe il y a le mensonge al khazib la preuve est également dans ce hadith de Samoura ibn Jundub lorsque les deux anges ont dit au prophète wassalam, quant à l'homme wa alayhi yushar sharu ila qafah ومن خيره إلى, كف... قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق Quant à l'homme que tu as vu qui se faisait déchirer le visage En partant du coin de sa bouche jusqu'à sa nuque. C'est-à-dire qu'il se faisait déchirer le visage à l'aide de crochets en fer, comme cela est cité dans le hadith précédent, dans le même hadith, mais lorsque le prophète a vu ces gens se faire châtier. Un crochet en fer était inséré dans le coin de leur bouche. Le prophète a vu et crochets en fer un être inséré dans le coin de la bouche de cet homme, puis son visage était déchiré jusqu'à arriver, jusqu arriver au niveau de la nuque. Pareil en partant des narines. Le crochet était inséré dans sa narine, puis il était tiré et déchiré son visage jusqu'à la nuque. Il Pareil, le crochet était inséré dans son œil et il était tiré, arraché jusqu'à déchirer son visage, ou jusqu'au niveau de sa nuque. Cet homme était un homme qui sortait tôt de chez lui. Il proférait un mensonge qui atteignait les horizons. Il mérite un tel châtiment car le mensonge souvent est la cause de troubles dans la communauté musulmane. Et cela nous montre la gravité du mensonge. Et la gravité de transmettre également et de transférer des informations dont nous ne connaissons ni l'origine ni la véracité le prophète a a dit il suffit comme mensonge pour une personne de répéter tout ce qu'il entend et entre dans cela le fait de transférer tout ce que l'on reçoit tout ce que l'on reçoit dans nos différents différentes applications que nous utilisons transférer à tout va sans connaître ni l'origine ni la véracité ni l'authenticité et participer de façon volontaire ou non volontaire car souvent ceux qui transfèrent veulent faire le bien mais combien de personnes veulent le bien mais ne l'atteignent pas, et combien de personnes veulent faire le bien mais en réalité ne font que du mal et participent à la diffusion de ce mal. Ainsi, ne transférez que ce dont vous connaissez l'origine, la véracité et l'authenticité à 100%. Lorsque vous avez le moindre doute, eh bien, n'hésitez pas à effacer. Personne ne vous reprochera d'effacer un message que vous avez reçu. Mais par contre, l'on pourra vous faire des reproches, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, parce que vous avez transféré et diffusé à tout va sans prendre le temps et sans prendre la peine de vérifier l'information transférée. Parmi les péchés également qui provoquent le châtiment de la tombe, la fornication. La preuve est également dans ce hadith de Samoura ibn dans lequel les deux anges ont dit au prophète alayhi salatu wassalam wa wa nisa al misl al les deux anges ont dit au prophète alayhi wassalam, quant, aux, quant aux hommes et aux femmes qui étaient nus dans ce qui ressemblait à un four à tanur, à qui a cette particularité ce four qui a cette particularité d'avoir la partie supérieure étroite et la partie inférieure large ces hommes et ces femmes que tu as vus dans ce four, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Et dans le début du hadith, le prophète a dit, et nous sommes passés à proximité de ce qui ressemblait à un four, et des cris et des voix émanaient de celui-ci. Nous avons alors, Fattallah fihi » Nous avons alors regardé à l'intérieur de ce four et nous avons vu des hommes et des femmes totalement dévêtus et une énorme flamme, des énormes flammes les brûlaient en venant d'en dessous eux. Les savants ont dit, que les fornicateurs et les fornicatrices subissent un tel châtiment en étant dévêtus, ceci afin de dévoiler leur cas. Car ils avaient pour habitude de se cacher pour commettre cet interdit ignoble. Voilà qu'ils sont dévoilés et de façon totalement dévêtue. Walayadu Billah. Et quant au fait d'être châtiés par des flammes qui viennent par-dessous eux, ceci car c'est interdit qu'ils commettaient, ils le commettaient souvent avec les parties inférieures de leur corps. Un autre péché qui provoque le châtiment de la tombe qu'Allah nous en préserve tous et l'intérêt usuraire, le riba. La preuve est toujours dans ce hadith de Samurabn Djundub radhiyallahu an. Lorsque les deux anges ont dit au prophète alayhi salatu wassalam: "Wa amma ar-rajul alladhi atayta alayhi yasbahu fi an wa yulqamu al-hajar fa'innahu akilu riba Et quant à l'homme que tu as vu qui était en train de nager dans ce fleuve et qui se faisait jeter des pierres, c'est celui qui consommait l'intérêt usuraire. Et dans le début du hadith, le prophète alayhi nous a informé qu'ils sont passés à proximité d'un fleuve, un fleuve de sang, et au milieu de ce fleuve, un homme nageait. Et de part et d'autre de ce fleuve, il y avait des hommes qui avaient un certain nombre de pierres à leur disposition. Et à chaque fois que cet homme qui nageait dans ce fleuve de sang voulait en sortir, il recevait des jets de pierres. Et ceci l'amenait à retourner au milieu de ce fleuve de sang, wal Et ainsi de suite, à chaque fois qu'il tentait d'en sortir, eh bien, des pierres lui étaient jetées, le forçant à faire retour arrière et à revenir au milieu de ce fleuve. Il y a d'autres châtiments et d'autres. Péché qui provoque le châtiment de la tombe. Et ceci nous prouve son existence. Ce ne sont pas des contes que l'on nous raconte. C'est ce qu'a vu le prophète en rêve. Et les rêves des prophètes sont vérités. Le prophète a vu en rêve ces gens se faire châtier. Et. Parce que ce châtiment est réel, il ne peut avoir lieu que dans le monde du Barzakh. Car la vie éternelle, soit au paradis, soit en enfer, n'aura lieu qu'après le jour du jugement. C'est ainsi que les savants ont déduit que ce qu'a vu le prophète, c'était bel et bien le châtiment de la tombe. Lorsque l'être humain est placé dans sa tombe, son corps se décompose et la terre mange ce corps, sauf un os appelé ajb al qui est le coccyx. لا بروف لحديث أبو هريرة رضي الله عنه، رابورتي الإمام مسلم لص صحيح، لونو عليه الصلاة والسلام، "كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب". وفي رواية، "إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا" فيه يركب يوم القيامه قالوا اي عظم هو يا رسول الله قال عجب الذنب اللي عليه الصلاه والسلام تو فيس دان سي فرا مونجي لا تير هورمي عجب الذنب سيتوس اپيليه لو كوكسيكس كي Se trouve à la base de la colonne vertébrale. C'est de celui-ci qu'il a été créé et c'est de celui-ci qu'il sera reconstitué, c'est-à-dire le jour du jugement. Et dans une autre version, le prophète a dit Il y a dans l'être humain un os que la terre ne consume pas. C'est à partir de cet os qu'il sera reconstitué le jour du jugement. Ils ont dit, quel est cet os ou envoyé d'Allah Il a répondu, il a répondu, Exception faite, bien sûr, au corps des prophètes et envoyés d'Allah, car la terre ne peut altérer leur corps. Dans le hadith authentique, le hadith de house ibn Aous, le prophète a dit, ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخه وفيه الصعقه فاكثروا علي من الصلاه فان صلاتكم معروضه علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت قال ان الله عز وجل قد حرم على الارض Il dit à Alayhi Salatu Parmi les meilleurs jours, le jour du vendredi. C'est le jour dans lequel Adam a été créé. C'est le jour dans lequel il est mort. C'est le jour dans lequel aura lieu un nafra, le premier souffle dans la trompe que l'on verra par la suite. Et c'est le vendredi également que les gens seront foudroyés suite à ce souffle dans la trompe. Multipliez donc les prières sur moi, car vos prières me sont présentées. Ils ont dit Ô oh, envoyé d'Allah, comment nos prières peuvent être présentées alors que ton corps sera décomposé il a répondu à allah a interdit à la terre de consumer et d'altérer le corps des prophètes voici la situation de chacun et de chacune dans sa tombe un endroit obscur un endroit où chacun devra traverser et surmonter cette épreuve à l'endroit dans lequel soit nous serons dans un jardin parmi les jardins du paradis, ou soit, qu'Allah nous en préserve, dans un trou parmi les trous de l'enfer. Nous devons donc agir pendant que nous le pouvons, tant que nous sommes vivants, car ce sont nos actes pieux qui vont nous accompagner. Qui nous seront bénéfiques dans cette vie d'ici-bas, dans la vie du Barzakh, dans notre tombe et dans l'au-delà, notamment le jour du jugement. La deuxième étape de l'au-delà est la résurrection. La résurrection signifie le fait. De passer de la vie appelée Al-Barzakh, la vie de la tombe, vers l'endroit du rassemblement. Cet endroit immense dans lequel aura lieu le jour du jugement, où il n'y aura ni habitation, ni plantation. Une terre nue et vaste dans laquelle seront réunis l'ensemble des djinns et des êtres humains, du premier au dernier. Et ce basculement entre la vie al-Barzakh et le jour du jugement aura lieu à travers un souffle dans la trompe. Cette trompe, qui est une trompe immense qu'a saisi Israfil alayhi salam, l'ange Israfil, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et qui n'a pour fonction unique que de souffler dans cette trompe. C'est une trompe immense qu'Israfil alayhi salam a déjà saisi qu'il a déjà placé dans sa bouche et il attend de recevoir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de souffler dans celle-ci. Et ceci, à savoir qu'Israfil alayhi salam est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la tâche de souffler dans la trompe, fait partie, est, un, est une chose dont les savants sont unanimes. Et le souffle dans la trompe est rapporté dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète alayhi wa sallam, et fait également l'objet de l'unanimité des savants de l'islam. Il y aura deux souffles dans la trompe. sallallahu alayhi salam soufflera à deux reprises. Lors du premier souffle, qui est appelé le souffle du foudroiement, nafratu ce souffle le subiront les êtres humains qui seront vivants avant l'arrivée de l'heure. Les êtres humains meurent les uns après les autres, de différentes raisons et de différentes causes, par différentes causes, mais il y a des gens qui resteront vivants et qui mourront. Qu'après l'apparition des grands signes, et la cause de leur mort sera justement ce premier souffle dans la trompe, le souffle du foudroiement. Après ce souffle, Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera sur terre aucun être vivant, et il restera le seul subhanahu wa ta'ala. Tout doit périr sauf son visage. Subhanahu wa et il dit à wa dans Surat Ar-Rahman Subsistera la face de ton Seigneur pleine de majesté et de noblesse. Les gens, lorsqu'ils entendront ce premier souffle, seront désemparés. C'est un souffle terrible et destructeur. Celui qui l'entendra ne pourra plus dresser ou adresser un quelconque conseil, de même qu'il ne pourra plus retourner auprès des siens. Allah subhanahu wa ta'ala dit

ni faire de recommandations, ni retourner dans leur famille. Les gens entendront ce cri alors qu'ils seront en pleine discussion, en train d'acheter, de vendre et de vaquer à leurs occupations mondaines. Mais lorsqu'ils entendront ce cri qui découlera du souffle dans la trompe eh bien les gens ne pourront plus se conseiller mutuellement ni se dire les uns les autres faites le repentir il reste encore quelques secondes ou autre. non il sera trop tard et ils ne pourront plus également retourner auprès de leur famille afin de s'assurer de leur sécurité ou autre lorsqu'ils entendront ce souffle ils seront Foudroyé. Et le premier à entendre ce souffle dans la trompe est un homme, comme nous l'a informé le prophète qui réparera l'abreuvoir de ses chameaux. Il sera foudroyé, puis les gens après lui le seront également. Dans le hadith de Abdullah ibn Umar, le prophète a dit. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيسعق في إنجي عليه الصلاة والسلام الحديث رابطي par الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو puis l'on soufflera dans la trompe. Et toute personne qui l'entendra, sa nuque se penchera sur le côté. Sa nuque se penchera sur le côté. C'est-à-dire qu'il sera foudroyé comme une personne qui meurt sur le coup. Il n'a plus la possibilité de tenir sa tête. Ainsi, sa tête se penche sur le côté. Et il dit alayhi et le premier à l'entendre sera un homme qui réparera le bassin de sa monture. Il le réparera notam notamment avec de la glaise. qalafayasaq. Puis il sera foudroyé. Ce premier souffle dans la trompe, mes chers frères et sœurs, est proche, il est très proche, extrêmement proche, surtout à notre époque, et afin de se rendre compte à quel point ce souffle est imminent, est le hadith d'Abu Saïd al-Khudri radhiyallahu anha, dans lequel le prophète a dit كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واصغى سمعه ينتظر ان يؤمر ان ينفخ فينفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا Il dit alayhi salatu wassalam, comment puis-je jouir des bienfaits? Alors que celui qui est chargé de souffler dans la trompe l'a déjà posé sur sa bouche, le front baissé, il est tout oui attendant l'ordre de souffler pour souffler. Les compagnons ont dit Oh envoyé d'Allah! « Que devons-nous dire ?» Il a répondu, alayhi salatu Dit Dites, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dites, Allah nous suffit, et quel excellent garant. Tawakkalna ala Allahi rabbina. Nous plaçons notre confiance en Allah notre Seigneur. » Ce premier souffle est appelé le souffle du foudroiement. الله سبحانه وتعالى دي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون Et on dans la trompe. Et voilà في ceux qui seront sur les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés sauf ceux qu'Allah voudra épargner puis on y soufflera c'est-à-dire une seconde fois et les voilà debout à regarder Allah subhanahu wa ta'ala a également appelé ce premier souffle le cri dans le verset précédent ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de discuter. De même que le second souffle dans la trompe est appelé également le cri à saïha Dans le verset 53 de Surat Yassin, الله سبحانه وتعالى ادّي: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مُحضرون. سنو سرى كأن سولكري، إلا هولا، كي سرون توس أمني داخلنا. La durée entre le premier souffle et le second n'est pas une durée longue. Le prophète wassalam, nous a montré qu'il y a entre le premier et le deuxième souffle 40. Dans le hadith, أبو هريرة رضي الله عنه رابطي برلمان مسلم الْجِيْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون souffles il سوف aura 40 قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون سنه قال أبيت ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل إل عليه الصلاه والسلام إلياء أنترولي دو les compagnons ont dit à abu hurayrah qui leur rapportait ce hadith Ô oh abu hurayrah est-ce quarante jours il a répondu je m'abstiens de répondre ils ont dit est-ce quarante est mois il a dit je m'abstiens de répondre ils ont dit est-ce quarante années il a dit je m'abstiens de répondre puis Allah fera descendre des cieux une pluie, puis les gens seront ressuscités comme une plante pousse. Abu Huraira, ici, a refusé de répondre, car il n'était pas sûr de la réponse du prophète il n'était pas sûr de ce qu'il avait entendu du prophète, alayhi salatu est-ce quarante ans, est-ce quarante mois, est-ce quarante jours Ainsi il s'est abstenu de répondre, ta'ala car l'on parle ici de la parole du prophète, alayhi salatu et celui qui ment sur le prophète, alayhi salatu ce n'est pas comme celui qui ment sur autre que le prophète alayhi salatu Il dit alayhi dans le hadith authentique Celui qui ment à mon sujet de façon délibérée, qu'il se réserve alors sa place en enfer. Après le second souffle, il y aura alors la résurrection. Et la résurrection signifie le fait de faire revivre les morts le jour du jugement. Le fait de faire revivre les morts le jour du jugement. Et la résurrection est bien sûr attestée dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et fait l'objet du, du consensus des savants de l'islam. quant au livre d'allah, il dit, à zawajel, par mon seigneur, vous serez très certainement ressuscité. et il dit, wassalam, dans la sunna, dans le hadith de jabir ibn abdillah, rapporté par les mêmes le prophète alain a dit, chaque serviteur sera ressuscité dans l'état dans lequel il mourra. Dans l'état dans lequel il est décédé. La résurrection est un sujet extrêmement important. Allah subhanahu wa ta'ala. La cité dans le Coran à de nombreuses reprises en utilisant différents moyens de démontrer cette résurrection et d'en attester la véracité. Dans des versets, Allah subhanahu wa ta'ala atteste de la résurrection de façon formelle comme la parole que l'on a lue précédemment, « Mais si par mon Seigneur vous serez ressuscités. » Et la parole d'Allah Azza wa Jal, « Les morts, Allah les ressuscitera. » Dans surat Al-An'am, les bestiaux, le verset 36. Allah Azza dans d'autres versets, nous parle de la résurrection en rappelant à l'être humain ses origines et de quoi il a été créé comme la parole d'Allah Azza wa Jall falyanzur al insanu mimma khuliqa khuliqa mimma'in dafiq yakhruju min bayni al sulbi wa innahu ala raj'ihi la qadir l'homme, considère donc de quoi il a été créé il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes allah est certes capable de le ressusciter il fait donc rappeler à l'être humain l'origine de sa création et de quoi il a été créé pour montrer qu'allah subhanahu wa ta'ala est capable de le faire revivre après sa mort et que l'être humain ne pense pas qu'après cette vie, il ne se passe rien. Cette vie n'est qu'une étape, et le principal, le plus important, est ce qui se passera, et là où résidera l'être humain dans l'au-delà. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour preuve le fait de faire pousser les plantes.

Qui fait, revivre les, qui fait revivre les morts, et il est capable de toutes choses. Dans d'autres versets, Allah s'exempte de créer une chose en vain, et que s'il n'y avait pas de résurrection, alors les ordres, les interdits, et les rétributions, seront vaines, seraient vaines. D'où la parole d'Allah Azza wa Jal kum wa annakum ilayna la Pensez-vous vraiment que nous vous avons créé en vain et que vous ne retournerez pas vers nous Allah Azza wa dans d'autres versets. Atteste de la résurrection en nous rappelant des histoires vraies qui ont eu lieu, car toutes les histoires dans le Coran sont des histoires vraies et qui prouvent la véracité de cette résurrection et qu'elle aura lieu de façon certaine, comme l'histoire d'Ibrahim a.s. avec les oiseaux avec les quatre oiseaux qu'Allah Azza a fait ressusciter devant lui ou comme l'histoire des gens de la caverne qui ont dormi pendant 309 années puis Allah Subhanahu wa Ta'ala les a réveillés afin de montrer un signe fort puis il les a fait mourir par la suite, subhanahu wa ta'ala. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui et l'on continuera, inshallah ta'ala, la suite de la résurrection euh, dimanche, inshallah ta'ala, à la même heure, 19h45. Barakallahoufinkoum wa nasalullah subhanahu wa ta'ala. أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.